mandat. Quelle sont les séries Moudo que vous avez fait? Puis, la dernière fois, c'est une femme qui est le plus contente. Coucou, aujourd'hui, on est à nouveau jour au stage en merveilleux. Pourquoi? Pourquoi tu m'as retrouvé dans ta vie? Qu'est-ce? Tu m'as retrouvé dans ta vie. Retrouvé? Hein? Je l'ai retrouvé, je t'ai recrevé, mais retrouvé, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'est retrouvé? Un contrat. Rencontre. Rencontrer. Parce que tu m'as rencontré dans ta vie. Est-ce que tu as rencontré? Qu'est-ce que tu as rencontré? Carrément. Ai, meu Deus. Je veux savoir si tu gostas das marcas do biquíni. Je déteste. Ai, quero saber por quê. Porque eu gosto tanto da cor do bronzeado, que eu gosto que ele fique inteiro. E quando aparece uma marca branca, é como se fosse uma mancha. E eu acho horrível. E o si, é parce que je préfère tomar banho de sol la nuit. Mas tu acha que aqui no Brasil é uma coisa comum as marcas? Por que as brasileiras estão gostando das marcas? Eu não sei por quê, mas eu acho que é um gosto que se perpetuou e ele é tradicional. Eu não conheço ninguém que não goste. É, exatamente. Exatamente. Tu não acha que tem uma coisa social para dizer, tipo, eu fui na praia, eu teve o tempo de ir na praia? Eu acho que pode ter. Tem uma eu coisa de... tem uma espécie de... um pouco para mostrar. É, tem uma espécie como se fosse um... como é que a gente diz? Um status. Aham. Porque não é todo mundo que pode ir na praia todo dia. Exatamente. E a praia, ela é muito amada pelo 100% dos brasileiros. Então, quando você pode ir, tanto que as pessoas ficam torrando, né? Sim. Pra pegar. E eu não gosto muito de sentir assim, queimado do sol. Eu não gosto de ficar muito exposta ao sol. Sim. Então, também por isso. Então, eu acho que tem um pouco de cada coisa. Tem o status e tem a coisa mesmo de, sei lá, de comparar. Ai, fiquei muito bronzeada. É, tem essa coisa de comparação, verdade. Eu gosto. Porque... quando eu volto da praia, a primeira coisa que eu vou na Lorraine pra mostrar minhas marcas, pra mostrar que ela é branca, eu sou morena. E eu, quando eu vou e não posso ficar nua, eu fico mexendo no biquíni, mexendo pra diminuir a marca. É. E você prefere os biquíni de um? Tipo, o biquíni inteiro, você não prefere não. O biquíni de dois? É, eu acho mais bonito e mais sexy. Sim. O maiô ou o body. Mas na praia eu prefiro o de dois porque a marca vai ficar maior. Ah, exatamente. Isso. Obrigada. O que, que tu tava fazendo? Eu estava me alongando, garota. Sou um corpo. Então, Sandra, ele é venu avec le petit déj para fofocar. Então, quais são as fofocas do dia? Abre a boca. Uvita Bush e Madi Tukti C. Tenho mensagem. E só a primeira fofoca do dia. Que é o sinal de fumaça. Amentei ela. Fala de novo. Ela queria que você ficasse lá embaixo pra não compartilhar. Eu falei, não, ela é minha sobrinha. Eu quase amamentei ela. Então eu vou amamentar ela com açaí e pão de queijo. Já deu também. Açaí de lá. Tá aqui, ó. Vocês duas vão dividir. Não, tá tudo bem, pode comer. Quer? Pega ali um não, não. Vizinho. É pão de queijo. Deixa eu te entregar aqui, eu sei se você. Tu quer? Olha. Te passei tout le jour. E se? Tu as tes erreurs. Tes erreurs. D'accord? Oh. Oh. Tá transando com o vento de novo. E tá mesmo. Que legal, que bom, tô bem feliz. Mesmo sim. Bem feliz. Mesmo sim. Bom, allez. La sortie du jour, je vais à la banque retirer de l'argent pour préparer le voyage féminité sororité. J'ai fait mon planning hier, je l'ai revu aujourd'hui avec un peu plus de calme et de volupté. Et ça va, j'étais un peu plus satisfaite. Mais je suis... en fait, je suis satisfaite généralement à la fin. Mais avant, c'est difficile. Comment vont ces tarjis?
O dia está nublado. Mas você? Estou bem. Você está bem? Bem. Tua vida está bem? Tá, meu amor. Para você vai ser sempre bem. E a sua, como é que tá? A minha? Isso. Tô bem, tô um pouco preocupada de saber se o viagem das meninas vai ficar legal, se as atividades que eu botei são legais, sabe, essas coisas, as coisas de sempre. Vai dar certo, você sabe o que faz. Ah, e um acidente aqui, não, faz trop la peine. Bom, j'ai été acheter des bananes, et ici au Brésil, on a plein de bananes différentes. Biscoito, vou nos explicar as diferentes bananas. Quais são as bananas daqui? As bananas daqui, produzidas geralmente em Minas Gerais, são as bananas boas. São a banana nanica. Nanica? Banana nanica, que é desse tamanho, mas é gostosa. Uh-huh. A banana maçã, que é uma delícia. A banana d'água, banana prata e a banana da terra. É verdade. Isso. Tem 5 bananas diferentes. Isso. São todas gostosas. A banana da terra é para ser cozinhada. Aham. Cozinha e frita. A banana d'água, a banana prata. Tem até banana ouro também. Aham. Mas a banana prata, d'água, maçã e a nanica são as mais conhecidas. Tá bom. Essas bananas. Obrigada. Mas é muito bom. E o monsieur que vende as bananas me explique que la banane prata, c'est celle que j'achète et c'est celle qui est faite pour être constipée. Genre c'est la dernière, je m'installe là. Et ça expliquerait peut-être le fait que comme j'avais des problèmes de ventre ces derniers jours et que j'ai beaucoup mangé celle-là, est-ce que c'est celle-là qui m'a fait mal au ventre? Je sais pas. Et la banane d'água, la banane d'eau, elle est beaucoup plus molle. En fait, la banane prata, celle qu'on a en France, c'est la même. La banane água, elle est un peu plus molle, farineuse, c'est comme si c'était une banane qu'on a l'habitude de voir, sauf qu'elle est un peu sur la vieillesse, tu vois. Alors qu'en fait, elle est sur la... Vou deixar ela aqui e volto pra pegar a quentinha pra levar. Não, vou deixar ela e volto. Et du coup, elle, c'est plus pour faire sortir. Genre, si t'es constipé, tout, tu manges ça. Et après, les autres, je sais pas. Et peut-être c'est pour ça que la dernière fois j'ai acheté des bananes qui étaient trop bizarres, j'ai rien pu en faire, elles se sont transformées en pierre. Peut-être c'était une certaine race de bananes. Quer falar mais uma coisa sobre as bananas? Não, não, nas bananas tudo jóia, tá tudo certinho. Et voilà, tout va bien avec les bananes. Você pode passar pela rua principal da Santa Teresa que eu gravar. Obrigada. Vai gravar? On va passer par le centre de Santa Teresa qui est le plus beau quartier du monde, comme tu le sais déjà. Et aujourd'hui, comme on est samedi et que ce matin il faisait très beau, ce qui n'est plus le cas, il va sûrement pleuvoir maintenant. Et ben, tu vas voir, c'est rempli de monde, c'est trop agréable, j'aime trop mon quartier. J'arrive toujours pas à me lasser. Enfin, un autre truc, rien à voir. J'y pense que j'ai mal. T'as vu mon gros bourg, je me suis fait il y a quelques jours là, je me suis déchirée, littéralement déchirée la cuisse de derrière là. Et ben ça guérit pas parce qu'en fait tous les jours je m'assois sur ma blessure. Donc en fait ma blessure elle guérit jamais dans cette histoire. Et du coup elle est toute rouge. Elle me fait mal. C'est pas agréable du tout d'être blessée au niveau des fesses ou en dessous des fesses. Voilà, mais décidément, mon corps a décidé de s'abîmer. Je sais pas quel est le message que je dois entendre avec ça. Mon corps a décidé de se marquer et de s'abîmer. Monsieur que tu vois, c'est le gardien de la maison. Vraiment, je pense qu'il sert à rien, mais il est là pour garder la maison. Et en fait, c'est horrible, son travail. En fait, c'est un peu difficile, son travail, parce que tous les jours, il est assis sur une chaise. Il est assis sur une chaise devant la maison. Je te montre le monde qu'il y a à Santa. Valeu! Obrigado! Là, c'est un atelier d'artiste.
des disques, église, vendeur de souvenirs, restaurant, pharmacie, de la samba, des bars, on aime ça, de l'artisanat local, on mange dehors, bam bam bam. Là, ça vend des acarajés, très bon restaurant, on mange tous les jours, le meilleur pizza du monde. Là, c'est trop beau. Comida mineira do Serginho. Comida mineira. Là, les trucs de vêtements de Santa Teresa. Ici, c'est notre bar où on va tout le temps. Ici, c'est un mec qui a transformé son garage en bar. Ici, on a chez Nelson, qui est filmé, doublement filmé. Et là, on arrive tranquillement dans notre rue. Ça fait plaisir. On est chez nous. Chaque fois que j'arrive là et que je vois ma maison, je repense à quand on passait devant la maison qui avait l'annonce. Et quand on passait devant la maison, que j'avais pas encore eu la confirmation, que j'ai attendu longtemps. Et que chaque fois, je priais pour avoir cette maison. Aïe, mes fesses. Obligada. Tu quer ma banane? Non. Certeza? Absoluta. São banana de água, muito banana boa pra cagar. Papai não gosta de banana d'água. Papai gosta de banana prata e banana maçã. Banana d'água. Tu não precisa cagar? Não. Cagar bem? Cago bem, é só comer mamão. Mamão é bom. Pra cagar? Mamão é, faz muito bem para cagar. É? É. Ai, mamão bom, é ótimo. Você nunca fez cirurgia? Não. Então olha aqui para papá. Menos um rim, olha. Tu tens só um? Só um rim. Cadê só... outro? Ah, foi fora. Mas é, no hospital ensina a comer gelatina para cicatrizar e mamão para cagar. Obrigada. É. Bon, j'ai fait beaucoup trop cuire mon riz, il est ultra pâteux. Du coup, j'ai regardé sur internet pour récupérer du riz pâteux. Apparemment, il faut le passer à l'eau froide pour enlever l'amidon, je sais pas quoi, et pour que le riz redurcisse un peu. Bon, j'ai essayé, mais ça ressemble vraiment à de la bouillie. Du coup, je me demande si je vais pas mettre un œuf dedans et essayer de faire comme si c'était une grande galette. Mais on va essayer de faire ça. Bon bah finalement c'était pas dégueulasse, voilà. Je suis un peu triste pour tout te dire. En fait je savais pas si je t'en parlais pas, mais comme ça fait partie de ma vie. En fait à Santa Teresa dans mon quartier il y a eu un accident très grave qui vient de se passer. Et c'est passé dans le bar où on traîne tout le temps. Tu vois, moi je l'appelle le bar des lesbiennes vénères. Le bar des féministes vénères, c'est un bar lesbien féministe. Qui est dans ma rue. Et en fait, c'est vraiment le QG des filles de ma maison, de moi, de tout le monde. On traîne tous là. Et alors, toutes mes petites étaient là-bas et heureusement, elles étaient déjà rentrées quand il s'est passé l'accident. Et j'ai eu super peur. D'ailleurs, j'ai couru dans la rue quand j'ai su qu'il y avait eu un accident. Et en fait, il y a un mec en... Il y a un mec en voiture, bourré, qui roulait super vite et qui est rentré dans le bar. Et qui est rentré sur les gens qui étaient dehors.
Et visiblement, il y a beaucoup de blessés. Il y a une fille qui est entre la vie et la mort. Je sais pas qui c'est, je connais pas. Mais ça fait tellement de la peine.